arrivé quatrième du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier, le colonel Swalihi Mohamed, dit campagnard, a été interpellé à son domicile peu de temps après avoir annoncé qu'il prenait la tête d'un Conseil national de transition autoproclamé. Un Conseil national de transition vient d'être mis en place avec à sa tête M. Swalihi Mohamed, peuple comorien. Un clan tyrannique s'est emparé de notre jeune nation et a décidé de nous piller et de nous saigner sans aucun état d'âme. Peu de temps après, des tirs se sont fait entendre autour du camp militaire Kandani à Moroni et se sont poursuivis dans l'après-midi ce jeudi, alors qu'un groupe d'hommes armés venait de faire évader un officier condamné pour tentative de coup d'État, le commandant Feswal Abdusalam. Dans les rues de la capitale, les civils rentraient rapidement chez eux et les taxis ne s'arrêtaient plus pour prendre en charge des clients. À la tête du pays, de 1999 à 2006 puis réélu en 2016, le colonel Azali Assoumani a fêté sa réélection après avoir été élu dimanche dès le premier tour du scrutin avec 60% des suffrages selon les résultats provisoires. L'opposition a hurlé au hold-up et au coup d'État électoral dénonçant des fraudes massives et fait savoir qu'elle ne déposerait aucun recours devant la Cour suprême et qu'elle exigeait la tenue d'un nouveau scrutin. Deux semaines après le passage du cyclone Idai au Mozambique, la situation reste des plus précaires, malgré la mobilisation des autorités et l'aide humanitaire internationale. Une mère dévastée raconte comment son fils de 3 ans lui a été arraché des bras pendant le cyclone Idai. La population de Bégaja n'a reçu aucun soutien dans cette région reculée et les routes inondées ont rendu l'accès encore plus difficile. Nous étions à la maison et nous sommes allés à l'école pour chercher refuge. Quand nous sommes arrivés là, l'eau était trop élevée et nous sommes allés ailleurs. Il y avait des manguiers et j'ai grimpé avec mon fils de 3 ans, mais je suis tombée dans l'eau et j'ai perdu mon bébé. J'ai essayé de le sauver, mais je ne le trouvais pas. Après ce qui s'est passé, je pense beaucoup à mon fils. Je suis allée à un endroit où je pensais être en sécurité et maintenant il est parti. Je pense à lui tout le temps. Le petit corps de Zakaria, en partie décomposé mais reconnaissable, a été découvert dans un champ de maïs, à quelques kilomètres de là. Près de 200 autres sinistrés vivent désormais dans l'église au toit de chaume, dans la petite localité de Bégaja. Selon l'ONU, au seul Mozambique, les intempéries ont fait 1,85 million de sinistrés. Ces personnes ont vu leur vie détruite. Ils ont perdu leur maison, leur ferme, leur culture. Ils ont perdu leurs êtres chers. Et ils vont avoir besoin d'aide pendant au moins 6 mois, 1 an pour s'en remettre. Les écoles ont été détruites, les enfants sont dévastés, les familles ont perdu tout ce qu'elles avaient. Le Mozambique a confirmé l'apparition redoutée du choléra dans la région dévastée de Beira. Les autorités de Maputo ont recensé au moins 468 morts sur leur sol, tandis que l'Organisation internationale pour les migrations a fait état de 259 morts au Zimbabwe. Mais des centaines de personnes sont toujours portées disparues et le bilan des victimes devrait encore monter. 1 million de doses de vaccins contre le choléra doivent arriver au Mozambique. La réouverture ces derniers jours de plusieurs axes routiers dans le centre du pays a permis de commencer à acheminer par camion une aide d'urgence aux populations. Mais les sinistrés sont loin d'être sortis d'affaires. Au Mali, ouverture ce jeudi du premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Un sommet qui se tient sur 2 jours et qui rassemble des investisseurs actifs en Afrique francophone, ceux qui désirent lancer leurs activités dans la sous-région, mais aussi des start-up, principalement les plus prometteuses de la région, celles qui développent des solutions basées sur le numérique. L'idée pour nous, c'est de fédérer nos initiatives, c'est de mutualiser nos efforts, c'est de mutualiser nos technologies pour que enfin ces startups puissent pouvoir se transformer, développer leurs produits et créer de l'emploi. Ce sommet des investisseurs d'Afrique francophone intervient à un moment où la multiplication des actes terroristes et les violences entre communautés ont un impact négatif sur l'image du Mali. C'est la première fois que je viens, moi, au Mali et que je veux que le monde entier sache que c'est une destination non seulement pour l'économie
numérique, mais pour visiter, c'est une destination qui est sûre. Au-delà de l'émotion palpable traduite par la longue minute de silence qui a ponctué la cérémonie d'ouverture, ce premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone, placé sous le thème « Le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique », devrait accoucher des solutions pour augmenter le flux de financement dans de jeunes entreprises de haute technologie dans la sous-région ouest-africaine. En Somalie, au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce jeudi dans la puissante explosion d'une voiture piégée près d'un restaurant dans le centre de Mogadiscio à l'heure du déjeuner. Un bilan susceptible de s'alourdir. L'explosion s'est produite dans la rue Maka al-Murakama, une des plus importantes de la capitale, pleine de commerces et de voyageurs. La voiture piégée aurait heurté le restaurant avant d'exploser. Des véhicules ont été projetés en l'air par le souffle qui a également touché des bâtiments voisins. C'est la quatrième explosion qui frappe la capitale somalienne cette semaine, cible régulière des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant. Quatre gendarmes burkinabés ont été tués ce jeudi par un groupe armé non identifié lors d'une attaque contre la gendarmerie de Barani, frontalière du Mali. La localité de Barani est située dans la province de Lakossi, une zone très instable où les attaques djihadistes sont récurrentes. Une autre source sécuritaire a souligné que l'attaque a occasionné d'importants dégâts matériels, dont un véhicule incendié. Des opérations de ratissage ont été entreprises par les forces de sécurité et sont toujours en cours. En octobre 2018, la même brigade territoriale de gendarmerie avait déjà subi une attaque au cours de laquelle un gendarme avait été tué et trois autres blessés. Un assaillant avait été abattu lors de la riposte des éléments de sécurité. Un rapport du groupe d'enquête américain Organized Crime and Corruption Reporting Project accuse l'ancien dirigeant Yahya Jammeh d'avoir dérobé jusqu'à 1 milliard de dollars des caisses de l'État gambien. D'après le rapport, l'ancien chef d'État a pillé l'argent et les richesses du pays, y compris la Banque centrale, l'aide sociale et la société de télécommunications d'État, pendant ses deux décennies au pouvoir. Le tout pour un montant frôlant le milliard de dollars selon les relevés bancaires, les contrats, la correspondance et les rapports auxquels ont eu accès l'ONG. La corruption aurait été orchestrée comme par une mafia et impliquait des fonctionnaires et un groupe d'hommes d'affaires dirigé par un ancien financier du Hezbollah libanais. Parmi les méthodes de l'ancien président, détourner les comptes de la banque centrale, créer de nouveaux comptes sur lesquels lui-même ou ses partisans étaient les seuls signataires ou utiliser des comptes dormants. Le président Yahya Jammeh aurait notamment détourné une bonne partie de l'aide accordée par Taïwan après que la Gambie a reconnu l'archipel en 1995. C'est une affaire aux multiples rebondissements. Le corps de Daniel Forestier a été découvert le 21 mars dernier, criblé de 5 balles, sur un parking de Balaison en Haute-Savoie, dans le sud de la France. C'est l'avocat de la famille qui a confirmé sa mort mardi 26 mars. Daniel Forestier, 57 ans, était mis en examen depuis le mois de septembre dans le cadre d'une enquête sur un projet d'assassinat du général congolais Ferdinand Mbaou, opposant notoire au président congolais Denis Sassou Nguesso. Ferdinand Mbaou était réfugié en France. Daniel Forestier avait travaillé pendant 14 ans pour la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Pour la mère de Daniel Forestier, son fils se savait sûrement menacé et il a été piégé. En septembre dernier, Daniel Forestier et un autre ex-agent des services de renseignement extérieur français avaient été inculpés dans cette affaire d'association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Un troisième homme avait été placé sous le statut de témoin assisté.